Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct à la place du village ce matin. Nous sommes à Chevran, le long de l'Hermance. Le long de l'Hermance qui est une petite rivière que se jette dans l'Léman, qui est une rivière franco-suisse. Et je me promène donc sur le chemin côté suisse. On entend les oiseaux. C'est très animé. On entend un petit coq, pas très loin d'ici, qui de temps en temps se réveille, est en train d'éveiller tout le monde. Voilà, pourtant il est tard déjà. Voilà, mais l'endroit est très très beau. Donc cette petite rivière qui fait la frontière, puisque lorsque nous sommes au bord de cette rivière, de l'autre côté c'est la France. Voilà. Donc c'est vraiment à la limite des deux pays. Voilà, on a déjà un bonjour de Colmar avec un bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Vous voyez, l'endroit est magnifique. Bon, il n'y a pas encore de végétation. Les oiseaux sont déjà... On attend le coq. Le coq qui se manifeste un petit peu. On va se promener un petit peu le long de cette rivière qui est très jolie, très calme. Et donc cette rivière sert de frontière entre les deux pays, entre la France et la Suisse. Voilà, donc on va marcher un petit peu. On a derrière nous la campagne helvétique. Donc nous sommes à Chevran dans le canton de Genève, en Suisse, dans les Alpes du Nord. Et de l'autre côté, donc la France, la Haute-Savoie aussi. Donc, aussi dans les Alpes du Nord, bien sûr. Voilà, on va continuer sur ce chemin, qui est très sympathique. Je pense que ça devait être le chemin des douaniers, à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est un chemin de promenade, de randonnée, qui est très prisé des Genevois, des Français aussi, hein, des Hauts-Savoyards. C'est une très très belle balade le long de cette petite rivière. Ouais, c'est très joli. On entend bien les oiseaux. On avance un petit peu. Ah, on a un bonjour de la Haute-Marne. Ah ben bonjour de Messery. Qu'est-ce que c'est, Alexis? Ah ben oui, c'est pas très loin, on est à côté là. On est à côté. Bonjour des Vosges. Bonjour, il commence à avoir du monde qui nous suit. C'est vrai que c'est très chouette comme petite promenade. On a un petit peu, le ciel est magnifique. Ouais, on a toute la campagne derrière. On a la campagne genevoise. On a de l'autre côté donc la campagne française. Mais là, c'est moins habité par là. Un petit peu isolé. On va redescendre un petit peu le long de l'Hermance. Voilà. Et voilà. Voilà. On a du monde qui nous parle là. Alors, nature semblable à celle du Grand Atlas au Maroc. Ben oui, peut-être. Je ne connais pas le Grand Atlas, donc je ne peux pas dire le contraire, je crois. Voilà, et on a bonjour du 59, Corinne de Lyon. Et ben bonjour à tous, j'espère que vous avez aussi un beau ciel bleu. Nous aussi, on a un temps magnifique sur cette région, là sur la Suisse, donc sur Genève et sur la Haute-Savoie. On a un temps magnifique aujourd'hui. Je pense qu'il en est de même chez vous. Un bonjour d'Alsace, bonjour de Marseille, Alain, Brigitte, bonjour d'Alsace, c'est gentil. Voilà, on remonte un petit peu par rapport à la rivière. Je vais rester un petit peu sur le chemin. Je vais essayer de ne pas glisser. Voilà. Donc, on a des parcs à chevaux à côté de nous, mais on n'en voit pas. Je ne vois pas de chevaux pour l'instant. Je vois quelques oiseaux. On les entend bien. On les entend bien. Alors, on reste encore. Ah ben là, on a une petite maison. Ben, sympa, là, pour habiter ici. C'est vraiment sympa. Regardez un petit peu cette petite maison, c'est un lieu paradisiaque, on va dire. Alors, on va s'éloigner un petit peu de l'Hermance, donc je vais peut-être repartir en arrière. Je vais aller voir si je trouve d'autres animaux. Il semblerait qu'il n'y en a pas. Oui, il y a un joli tableau, une poya le long de cette maison. Ouais, une poya, c'est très gruyérien, tout ça. C'est vrai que c'est la descente, ou là, serait plutôt la montée. La montagne, on va dire, mais voilà une poya où on voit sur un chemin en zigzag les vaches qui se rendent dans les pâturages à la fin du printemps. Voilà. Alors on va continuer là. Voilà. Je vais regarder un petit peu l'Hermance. Je sais qu'il y a des truites. Alors est-ce qu'elles voudront se faire voir aujourd'hui? Ça, je ne peux pas vous le garantir. Allez. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de réseaux, si les gens voient
une image qui n'est pas très bonne, c'est gentil de me le dire, puisque c'est pas évident pour moi de le contrôler. Valdemar, Corinne, qui nous dit bonjour, le monde est petit. Et là, c'est Montpellier, c'est Chantal qui nous dit bonjour de Montpellier. Alors, voilà, on va retourner là-bas. Je vais essayer d'aller de l'autre côté, puisque il semblerait que le chemin là, après on passe à cette propriété, c'est ce qui nous intéresse, c'est la nature. Et puis on ne va pas les déranger les gens. Bon, il n'y a personne. Si on vient le week-end ici, en principe, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a toujours du monde qui se promène par là. Je vais accélérer un petit peu. On va retourner côté français. On va traverser. On entend bien tous les oiseaux. C'est très très chouette, très beau. C'est calme, c'est reposant ici. C'est reposant. Ah, un petit chien. Je pense que... voilà. Un petit chien qui nous a rejoint. Hein? Voilà. Ah ben son maître essaie de le rappeler. On va redescendre ici. Allez, on va passer côté français. Je vais retourner sur le chemin où nous étions tout à l'heure et je vais essayer de passer côté français, voir s'il y a quelques animaux et puis si on peut retrouver ce coq chantait tout à l'heure, on l'entend un petit peu. Alors, un beau petit chien, c'est vrai. Non, la connexion est plutôt mauvaise, aïe aïe aïe. Bon, bah écoutez, c'est trop mauvais, j'étais obligé d'arrêter. Je vais revenir sur le plateau, vers le pont, normalement la connexion est meilleure là-bas. Je vois, vous me direz si c'est bon ou pas, si ça passe bien ou pas. Voilà. On revient vers le coq. On va passer côté français. J'appelle toujours à Hermance. Hein, toujours. Là, je suis encore sur Hermance, donc la commune de pas Hermance, pardon, le long de l'Hermance, mais la commune de Chevran, dans le canton de Genève, dans les Alpes du Nord, et en Suisse. Voilà. Là, je vais remonter. On a l'ancien bâtiment des douanes suisses qui est ici. Oui, le ciel est très très beau. Il fait bleu aujourd'hui. Ça fait quelques jours déjà que c'est comme ça, c'est bien. Il fait frais par contre, il doit faire 2 degrés, 1 degré, 2 degrés, il fait frais. Voilà, donc je vais retraverser. Je vais voir si on peut se promener de l'autre côté. Je pense que la connexion doit être meilleure ici. La connexion doit être meilleure. Alors on est sur le pont qui fait la frontière. Le coq est là-bas. Ah ben il est ici, il y a toute une basse-cour là. Voilà. Je pense qu'on doit avoir une meilleure connexion ici. S'il y en a qui peut me laisser le message, c'est pour me dire comment est la connexion. C'est par moment, me dit Anne. Est-ce que c'est mieux maintenant? Là, c'est parfait. Bon, eh bien, écoutez, je vais essayer de partir de l'autre côté du pont. Sous l'autre, on est loin, on s'éloigne de l'Hermance. Après, c'est dommage, je vais vous faire découvrir l'Hermance. On va se promener sur le chemin. Alors, ben, maintenant, je suis côté français, voilà, sur la Haute-Savoie, donc dans les Alpes du Nord. On quitte la Suisse. Voilà. Ah, ben là, il y a quelques poules ici. Voilà, là, on arrive côté français. Ben, voilà, les petits oiseaux sont là. Bah, si vous les voyez, ils sont sur le toit de cette petite cabane, bien sûr. Et le coq ne doit pas être très loin. En pleine campagne. En pleine campagne. Voilà, j'ai Philippe qui me dit que c'est très bon pour la connexion. Merci Philippe, parce que c'est vrai que j'étais un peu inquiet. Alors, on a un autre chemin ici. On va repartir, mais là, on s'éloigne de l'Hermance. C'est dommage, je voulais faire le long de l'Hermance, mais il y a beaucoup d'oiseaux. On n'a plus de ruisseau. On a quitté l'Hermance. Bon, je vais voir l'autre chemin si c'est bon ou pas. Si on peut encore se promener un petit peu là-bas. Alors, la connexion est meilleure. Bonne journée, c'est gentil à tous. Voilà. Alors, on va. Je vais aller voir.
Ah, c'est agréable, tous ces oiseaux qui chantent autour de nous. Voilà, on a une dame qui se promène aussi avec un jeune chien qui a l'air. Oui, il est tout jeune. Il est tout jeune. On va passer sur l'autre chemin là-bas. On va continuer. Bon, ben. Voilà. Et on va voir comment c'est ici. Les oiseaux sont super sympas. Ils sont tous autour, là, en train de chanter. Voilà, donc là, on se promène sur l'autre chemin, mais on surplombe quand même pas mal la rivière. Je ne sais pas si on va descendre, si on va s'approcher de cette petite rivière. Donc, à nouveau, passer sur Suisse, hein, là. Donc, je suis à nouveau sur le canton Genève, à Chauvran, exactement. Et toujours le long de l'Hermann, donc, en Suisse, dans les Alpes du Nord. Avec la France, de l'autre côté, on s'est éloigné un peu de la France. Elle est à 15 mètres maintenant, elle n'est pas très loin. On n'est pas perdu. Voilà. Alors vous entendez les oiseaux, c'est pas. Ben la neige a fondu, oui, mais bien sûr que la neige a bien fondu maintenant. On est à 300 mètres d'altitude, 360 mètres, je crois, 370 mètres. On n'est pas très haut ici. Donc bien sûr que la neige a fondu. La neige a fondu. Voilà, on va continuer. Ben, on est toujours sur le même chemin. Bon, ce chemin nous amène jusqu'à Hermann, c'est la cité qui se trouve au bord du Léman, puisque cette petite rivière Hermann se jette dans le Léman. Bonjour de Sonia qui nous fait un bonjour de la Ciotat. Ben, bonjour Sonia. Alors on va continuer. Ben, je vais voir si je peux marcher un petit peu le long de l'Hermann sans glisser. Ça doit être possible. Ça doit être possible. Je ne sais pas si on peut aller bien loin. On essaye. Est-ce que la connexion est toujours bonne? Est-ce qu'il faut que je remonte sur le chemin? Parce que là, l'eau est très calme. On n'a pas l'impression dans un ruisseau qui descend quand même du massif de Voiron. Donc, normalement, un ruisseau de montagne. Et ici, il est très très calme avant de se jeter dans le lac Léman. Voilà. Donc il rejoint Hermann, toujours en Suisse, hein, bien sûr. Alors là, on ne peut pas aller plus loin, donc j'étais obligé de remonter. Obligé de remonter. Les couleurs commencent à être belles, mais bon, il n'y a pas suffisamment de verdure, c'est un peu dommage. Les oiseaux préparent les nids, donc je pense que la verdure va sortir tout de suite. Ils savent très bien anticiper. Ils savent anticiper. Je vais remonter sur le chemin. Voilà, sans glisser une nouvelle fois. On va essayer. Voilà. Et comme le ciel est bleu, c'est beau. C'est beau. Oui, on ne peut pas. Je ne vais pas longer l'Hermann. Alors. Bonne connexion, Philippe me dit à nouveau. C'est bien. Ah bon, je me posais la question. On a un bonjour de Françoise de l'Alsace. Non, pardon, c'est Hélène. Ouh là là, il faudrait changer de lunettes, moi. Voilà. On continue à se promener sur ce petit chemin. Voilà, on monte alors que la rivière est en train de descendre. Je ne vois pas d'animaux de ferme ici. On ne voit pas ni des chevaux d'ailleurs. Tant il y a beaucoup de manèges à chevaux autour de Genève. Là, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Est-ce que le chemin descend un petit peu? Est-ce qu'on peut retrouver l'Hermann ou est-ce qu'on reste sur notre chemin? Ouh là là, ça devient une critique par là. Le chemin s'est effondré. Le chemin s'est effondré et je vais essayer de passer. On va essayer de passer plus haut, on n'a pas tellement le choix. Allez, voilà. Enfin, je pense pas que le branchage là-bas puisse empêcher de glisser. Voilà. Eh bien, allons doucement. Voilà. Et on rejoint le chemin en glissant. Voilà. Ouais. Bon, on s'est rapproché un petit peu de l'Hermann quand même. Hein. Voilà. Et toujours, donc, on est toujours sur la commune de Chauvran. Hein. On est sur la commune de Chauvran. Et de l'autre côté, nous avons donc la Haute-Savoie. De l'autre côté, c'est la commune de Végy, que je n'ai pas dit. Végie qui est aussi en Haute-Savoie, et dans les Alpes du Nord. Voilà, donc nous vraiment
On est sur la frontière franco-suisse avec cette petite rivière, l'Hermance. Voilà. Je ne sais pas si on peut encore aller plus loin. Je suis en train de m'enfoncer dans ce petit vallon qui est creusé par l'Hermance. Je ne sais pas si la collection est bonne. Voilà. Je sais pas. On a du soleil, Chantal. Oui, on a beaucoup de chance d'avoir du soleil. Pourquoi? Vous n'avez pas de soleil, vous êtes où, Chantal? Vous êtes en quel secteur? Hein? Alors, là aussi, bonjour, Dagen, bonjour. Oh là là, on a du monde. Les gens sont loin. Françoise qui dit bonjour. Alors, on y va. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, mais oui. Regardez comme l'eau est calme ici. L'eau est très calme. Il y a moins d'oiseaux par contre. On les entend un petit peu moins. On les entend un petit peu moins. Hein? Ouais, il y a moins d'oiseaux. Bon, on va remonter sur l'autre côté. Je vois qu'ici, c'est le chemin commence à être en très mauvais état. Là-bas, je vois qu'il y a un arbre qui est tombé. C'est peut-être pas la peine d'insister. Je vais me retrouver dans l'eau. Et vu la température extérieure, je vous dis franchement, j'ai pas envie d'aller me baigner maintenant. Voilà, j'aime bien l'eau, mais bon. Alors, moi, il me faut une eau à 25 degrés pour que je plonge. Ça ne plonge pas comme ça. Voilà. Bon, on va retourner sur le pont. Alors, voir un petit peu. Et puis là, il n'y a pas d'oiseaux. C'est bizarre. Le coin est un peu différent. Pourtant, on ne s'est pas éloigné beaucoup du premier endroit où j'étais. Voilà. Là, j'ai un bonjour de Béziers dans l'Hérault. Eh bien, bonjour de la Suisse et de la France en même temps, d'ailleurs. Je vais essayer de passer sur ce petit pont de fortune. Si vous entendez un petit cri, des craquements, ben c'est moi qui m'en vais. J'essaye. Voilà. Ça se passe bien pour l'instant. Voilà. Traversé. Alors. Hop là. Bonjour de la Lozère. Quel temps fait-il dans la Lozère? J'ai prévu d'y aller. J'aime beaucoup la Lozère. C'est un coin magnifique. C'est sauvage aussi là-bas. Très très sauvage. J'aime beaucoup. Voilà. On revient sur nos pas, toujours sur à nouveau la commune de Chevran, donc en Suisse, dans le canton de Genève. Et on repart. Il y a un beau soleil, on va faire vers les arbres. C'est vrai que l'été, quand il fait très chaud, c'est une promenade qui est agréable, puisqu'il y a beaucoup de végétation, beaucoup d'arbres, donc de l'ombre. Et la fraîcheur, quand même, dégager un peu de fraîcheur, qui est dégagé par le ruisseau. Donc c'est très sympa comme petite promenade d'été à la belle saison. Voilà. Et puis là donc nous avons la campagne genevoise. Donc là c'est un parc à chevaux, mais ils sont pas là. Les chevaux n'ont pas voulu venir nous voir aujourd'hui. Mais la prochaine fois, on refera cette promenade quand la verdure sera enfin sortie. Il y a beaucoup de fleurs aussi le long de ce chemin. Et c'est très chouette à se promener ici, très agréable. Voilà. Qui est-ce qui nous a écrit encore? Bonjour du Doubs, la Mone Biscotte. Et c'est vraiment très beau la Lozère, c'est vrai que c'est beau. J'ai adoré, j'ai fait une petite rando il y a 2 ans, 3 ans. J'ai fait un grand périple d'une centaine de kilomètres dans le Larzac, donc sur les 3 départements. C'est très très beau, c'est très chouette à faire. Voilà, et là, vous avez aussi le Chocard comme le grand atlas en Afrique. Ah bon, je ne savais pas. Oui, on continue. Ben, je vais retourner vers le pont et puis on va terminer cette petite promenade matinale. Je pense que j'en ferai une encore. Le temps est tellement beau, j'en ferai une seconde aujourd'hui au bord du Léman. Je vais trouver un coin un petit peu sympa pour vous emmener. Voilà. Eh bien, je termine la vidéo et au revoir et à bientôt.